ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. And I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Nous parlons aujourd'hui de plusieurs pages issues du dernier diptyque de Michael, Boot Black. Nous sommes en France, sur le front de la Seconde Guerre mondiale. Un homme creuse afin d'enterrer des corps. Le ciel d'un blanc profond est un parallèle avec la mort omniprésente autour de lui. Un premier mouvement est créé par les phylactères d'une part et la pelle se dirigeant vers le bas, puis une remontée avec les lancers de la terre. Une petite pause permet de voir le visage fatigué du soldat pour finir par le déplacement d'un corps. La seconde partie de la page est un retour dans les années 30 à New York. Un enfant déambule dans les rues, il fait froid. Il souffle sur ses mains afin de les réchauffer. Un recul permet d'accentuer le sentiment d'isolement de l'enfant. Les lumières des bâtiments nous rappellent que dans les hauteurs de la ville, certaines personnes sont aisées et ne manquent pas de chaleur dans leur foyer. Lors des deux premières parties, une dominante verte est présente, soutenue par du marron. Le vert pour les vêtements du soldat dénote sur le sol boueux. A l'inverse, l'environnement est verdâtre dans les rues de New York et les vêtements sont marrons. En plaçant l'homme et l'enfant sur le même axe, l'auteur nous fait comprendre que nous sommes à deux époques différentes. Un axe est ainsi formé et une troisième image avec ce visage arrive. Une attitude de surprise et un changement de teinte. L'ambiance chaude est omniprésente. Le personnage qui jusqu'ici était seul se retrouve au milieu d'une cohue. Un immense incendie est en cours, les pompiers s'activent à éteindre le feu. La vision placée jusqu'alors près du sol fait une contre-plongée, nous permettant de voir les bâtiments en flammes. Plus tôt dans le récit, nous avons vu ce quartier avec ses commerces. Le marchand de journaux, le tailleur, le barbier, le plombier, et le commerce juif avec ses produits cachers. Nous voici dans une succession de cases mettant en scène notre personnage au milieu des badauds. Alors que nous nous rapprochons de l'enfant, les dialogues d'une masse embourgeoisée devenant flous prennent de l'importance. Les propos sont à mettre en lien avec le début de la page précédente. Ça débarque du bateau à l'appel. Objet avec lequel il enterrera ses camarades. Le mot métèque, utilisé dans un contexte xénophobe, est une insulte désignant les immigrés. Une dernière case redonne de l'importance aux pompiers alors que l'enfant est poussé par un agent. Le terme utilisé fait référence au kid dont l'action du film est contemporaine. L'auteur a déjà fait un clin d'œil à Chaplin dans son histoire précédente, Giant. Au XVIIIe siècle, des incendies ravageurs se déclarent régulièrement à New York et les victimes sont nombreuses. Les pompiers doivent faire face avec des moyens qui paraissent bien dérisoires aujourd'hui. Le 2 février 1860, au 142 Elm Street, un grave incendie fait une dizaine de morts. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Les flammes partirent de la boulangerie, atteignant rapidement les étages où 24 familles habitaient. Les escaliers étaient en flammes, impossible de s'échapper par là.
Les passants pouvaient voir hommes, femmes et enfants s'agglutiner aux fenêtres, criant pour demander de l'aide, agitant désespérément leurs mains. Ces scènes dramatiques ont largement participé au passage de lois sur les issues de secours. D'abord, ce furent de simples cordes et échelles obligatoires dans les bâtiments, et ce ne fut qu'en 1867 que les fire escapes sont devenus obligatoires. Dans ces trois premières cases, on voit vraiment la ville vue de haut et ça nous permet vraiment de prendre conscience de l'immensité de cette cité, toujours perdue dans la brume. Puis on se rapproche avec un zoom très très abrupt pour être vraiment avec les gens et surtout les ouvriers. La deuxième case montre le Fulton Market, le marché aux poissons, qui rappelle vraiment le côté maritime, portuaire de New York. Et puis la dernière case, où là on se prend de plein fouet la silhouette de mon personnage principal, qui est serreur de chaussures, ou boot black comme on dit à New York, avec un ancrage très charbonneux qui permet de ressentir le cuir, La brosse, la poussière et toute la crasse et la saleté qu'il y avait dans ces rues à cette époque-là. Le Fulton Market était historiquement situé dans le sud de Manhattan, près du pont de Brooklyn, à l'extrémité est de Fulton Street. Le marché a progressivement pris de l'importance et en 1924 a ainsi vendu 384 millions de livres de poissons, soit 25% de tous les fruits de mer vendus aux États-Unis. Le marché aux poissons de Fulton était principalement situé dans deux structures en plein air, le Tin Building et le New Building, dans lesquels divers marchands louaient des étals à l'autorité portuaire de New York avec des bureaux fermés à l'arrière. Le nouveau bâtiment a été ouvert en 1939 par le maire LaGuardia, après que les pieux de l'ancien bâtiment du marché ont cédé en 1936 et que le bâtiment est glissé dans la rivière. Le lecteur commence par le dialogue qui est tout en haut, ensuite on glisse en V sur les deux personnages, on remonte ensuite sur la deuxième case en suivant la voie du métro aérien et on arrive sur les hangars du port, on descend avec les deux rats que l'on voit sur l'un des montants métalliques et on retombe sur les deux personnages qui sont les seuls éclairés. A lovely, peaceful afternoon. No one can see us. Rain, and she is cozy in the rain. There's no reason to complain. She'll wait for you. You hold her hand, and then it's ten to one. You kiss her in the rain. Rain, rain.